دونك لاحظوا معايا هنايا كيف ما اتفقنا قلنا بالنسبه لي نيفو نعاود رابيدمون. دونك قلنا لي نيفو دو ري تشوسي 0 10 دونك غادي نمشي لهنا ندير ديفينير ايتاج. عندنا نيفو دو ري تشوسي ما عندناش سوسول ني با لو بلان دو سوسول دونك اون فاي كليك سور سو بريمي ايتاج ري تشوسي نيفو سي 0 10 par rapport au niveau 0,0 de terrain. Donc là, le niveau de premier étage, c'est 3,10. Mais je 3,10. C'est la hauteur ce plafond, plus 20 de la dalle, plus le niveau de rez-de-chaussée. Le niveau de rez-de-chaussée, c'est déjà 0,10. Plus la hauteur ce plafond, il y a 2,80. C'est combien? 2,90. Plus 20 de la dalle, il y a 3,10. Alors, la hauteur de premier étage, c'est 2,80 plus 20 de la dalle, il y a 3. Plus le niveau de premier étage, il y a 6, il y a 6, 10. Voilà, on va ajouter. Alors, j'ai inséré au-dessus pour ajouter terrasse. Voilà. On va dire à Dinsmio, deuxième étage. Étage 2, là, on va renommer deuxième étage. Voilà. Donc, un 6. Voilà, on va faire 3 sur terrasse. On va cliquer sur rez-de-chaussée et après, on va cliquer OK. Supprimer quand même. Voilà. On va demander mur, double clic. Voilà, on va faire, on appelle la hauteur. Je vais la hauteur de ce plafond. 2. 80. Le niveau c'est 0,10. L'épaisseur, pour activer l'épaisseur, on va cliquer sur la issue et après on va choisir qu'on appelle brique. Ah ouais, voilà. 20. Ok. On va demander rectangle. Ah ouais, rectangle. On va spécifier le coin et on va zoomer pour voir la ligne noire. File la ligne noire à l'intérieur. Donc pour changer, C. Ah ouais. On va saisir la distance. Maintenant la distance, 7 sur 10. 7 sur 10, entrée, voilà, échappe. On va voir la cour. La cour, on a la distance à l'extérieur. On a une cotation en bras. Donc, on sélectionne un mur, on va dire le coupé 3. On va dire que le gardien, la chèque, on va déjà dire le bras. Donc, pour couper, on va faire la distance plus l'épaisseur du mur. Sur le plan 3, il a déjà à l'extérieur. Il a déjà ajouté. Donc, c'est pas la peine pour ajouter. Donc, si vous faites 3, entrée. On va sélectionner encore Ada, déplacer. Pardon, sélectionner déplacer, c'est translation, contrôle, on va toucher contrôle en l'aise pour ajouter ou saisir la distance, c'est 3 entrées. Voilà, et après on va ajuster, cliquez long, comme Khader, à la contrôle, on ajuste ça, on ajuste ça. Ça marche. On va demander du mur, mais avec maintenant avec la ligne. Et on va changer l'épaisseur à 10. Voilà, on va dessiner le mur, mais le coin, toujours, on va changer le point de base avec C, encore C. Voilà, je dessine à l'intérieur. Et ça. Sélectionner, déplacer. Combien maintenant? 3,7. Maintenant, on va faire couper. Ah, il y a déplacer. On va toucher contrôle. Allez, je touche contrôle pour couper. Ah, voilà. Là, 3,7. Nishan, déplacer. Pour couper les radins. Maintenant, je vais 9,12. On a 1,70. Radin 1,80. Voilà, on va couper à la douche ou la toilette 4,90 de la douche ou les 1 mètre. On va demander de déplacer. De déplacer, mais quand on chauffe, on va dessiner. On va dessiner. Pour déplacer, ce n'est pas la peine à jeter. Voilà, pour déplacer avec couper, on va dire de la. Ça fait un frère. Donc, je vais faire 2 mètres. On va dessiner. On va ajuster. On va ajuster. On va demander à un mur. Ah, on dessine un mur de 10. Ah. Échappe. On va faire déplacer. On va déplacer. On va dessiner la distance. 2 secondes. Yak. On va dessiner un mur d'accord de 10. Voilà. Ajuster. Sélectionner Hada. Shift. La deuxième mur sélectionné avec la commande de l'intersection. Voilà. On va demander maintenant le mur de l'épaisseur 0,20. On va dessiner le coin. C'est le coin. Échappe, sélectionné et déplacé avec la distance de 10. Voilà. On va sélectionner le mur. On va faire un appel itéré. Itéré. Voilà, ça marche. On va demander maintenant la porte, double clic. On va choisir le style de la porte, voilà, 90 de 10. On va cliquer sur les paramètres. Paramètres, il y a le cadre, porte, on va faire, on appelle en 10. Voilà, les chambres, donc on va faire, on appelle 100.
Ça marche. Le type haut de décoration de la porte, il y a bien sûr porte battante, voilà. On va choisir le style de la porte, par exemple, en bois. Poignée, voilà. Et après, on va cliquer OK. Et on va cliquer sur le mur. Ça, c'est la porte de 1 mètre. On va crier d'abord et après, on va changer. Hada ghatkoun fi metro, hada 90. Hada ghatkoun fi 80. Hada ghatkoun fi 80 aussi. Ça, c'est 90. La cuisine, 90. Et la cour aussi, 90. Et après, à changer. Après, on va sélectionner, déplacer. Avec translation, bien sûr, on va faire déplacer. Et encore, on va faire 0,10. 0,10. Là, c'est 80. Wow. Pour les salles de bain et les douches, toujours, on va faire 80. Ah, ouais. 80. 80. Voilà. On va sélectionner, échappe, sélectionner, déplacer sur le coin. Et encore déplacer 0,10. Voilà, on va sélectionner là encore. Par exemple. La même chose pour la cuisine. Sélectionner, déplacer. Toujours, c'est le point de base. Et après, on va changer la distance avec 0,10. Ça, c'est limité à l'origine, l'aspect. Juste sur le mur. Voilà, c'est la position. Ça, j'ai déjà d'après le jour. On va faire un appel symétrie. Symétrie pour changer le sens de l'ouverture. Voilà. Déplacer juste aussi. Et voilà. Le 10. Et ça, on va changer, on appelle la distance. Et on va faire 1 mètre. Et le principal, c'est la porte principale. Et on va déplacer sur le coin. Voilà. On va demander maintenant, on appelle ouverture. Donc la porte, mais on va choisir, on appelle ouverture. Voilà. Il y a plusieurs ouvertures. On va choisir par exemple le simple. Je ne sais pas combien, mais on va changer la hauteur de 40 ou de 30. OK, on va cliquer là. Et après, on va faire un appel itéré. Donc si je marche qui ont bien itéré, voilà. Jusqu'à là. Et itéré jusqu'à le coin du mur. Voilà, ça marche. On va fenêtre maintenant. Donc fenêtre, double clic. On va choisir un appel coulissante, par exemple. Il y a beaucoup de fenêtres, donc un entretien coulissant avec la distance, par exemple 1,60 et 1,10 m sur la hauteur, c'est mieux. Voilà, OK. Et on va cliquer là, cliquer aussi là, et on a clique là. Et on va changer, on appelle les dimensions de la fenêtre de la cuisine. Parce que la cuisine, la superficie de la cuisine serait là. Donc, si mieux, on va faire, on appelle la fenêtre d'il 1,20 m. Voilà, et après, on va déplacer aussi sur le coin de la porte. Et on va faire, on appelle 0,30 ou 0,40 ou pour centrer. Hein? Il y a le choix. On a déplacer pour 80, par exemple. Sélectionner, déplacer et 0,80. Voilà. Encore là, on va sélectionner. Déplacer, encore déplacer avec 2,05, je pense, sur le plan. Ça marche. On va dessiner maintenant une petite fenêtre en l'entrée. Fenêtre basique, voilà, basique, avec 60-60. On va faire 0,60 sur 0,60. On l'allège 1,50. OK. Et on va cliquer là, voilà, à l'intérieur. Déplacer avec la porte. Et après, on va faire 0,20 entre la porte et la fenêtre. Ça marche? Cotation maintenant. Je vous mets une cotation. Donc, on va cliquer sur une cotation. On va désactiver, on appelle la ligne d'attache. 1,50. 1 mètre. On va afficher la hauteur des ouvertures. On va désactiver. OK. Et on va cliquer sur le mur. Mur, mur, double-clic. Voilà, cotation. Cliquez sur le mur. Encore mur, encore mur, encore mur. Allez, vas-y, mur, double-clic. Voilà, encore là, là. Il y a la possibilité pour changer la taille de texte. Donc, on va cliquer sur CTRL-A pour sélectionner tout. Et on va changer, on va faire 20, 2, pardon. 2, voilà, 2, c'est bon. C'est logique. Donc, cotation aussi. Donc, on va changer la hauteur, c'est 2. Voilà. OK, et on va cliquer là sur le mur. Voilà, encore et encore. Double-clic. Voilà. À chaque pièce, ça a de la longueur et largeur. Voilà.
N'attends pas, par exemple, là, et après on va déplacer. C'est bon? Maintenant, il reste le texte. Donc, on dit le texte. Où est le texte? Voilà. Donc, on va faire, on appelle la distance, la saisie, salon. Voilà. Et on va sélectionner et on va faire copie plusieurs fois, contrôle alt. Pour copier plusieurs fois, contrôle alt. Alors, où l'on dit de plus. Voilà. Cuisine, chambre, cour. Échappe. Double-clic, ça c'est quoi? Ça, on a dit la cour. Ça c'est chambre. Double-clic pour modifier chambre. Cuisine. Douche. C'est pas salle de bain, douche. Hein? Le fait, je toilette. Des toilettes. Qu'on a une salle de bain. Hein? Qu'on a une salle de bain. Voilà. C'est bon. Ça marche? Donc on va faire, on appelle une dalle. Donc la dalle de l'univers 0,10, la terre, aïe. Mène le coin, le coin. Voilà. Encore, on va dessiner une dalle, où là on va sélectionner tout, contrôle A pour sélectionner tout, contrôle C, et on va cliquer sur le premier étage, contrôle V. Voilà, on va supprimer, on appelle la porte. Supprimer la porte. Voilà, et on va ajuster le mur là et le mur là, et on va vider, on appelle la dalle sur la supprimer la cour, vider la dalle avec moins, et on va vider la dalle sur la cour, voilà comme ça. On va afficher le 3D pour voir. Voilà, donc il y a la cour, ah ouais, la cour, et là c'est le premier étage. C'est pas la peine pour créer le premier étage. Donc il y a une petite modification sur le mur de premier étage. Donc on va sélectionner là-dedans, on va diviser comme ça. Et après on va déplacer, translation, chevaux le plan, voir le plan aussi 0,50, la distance. 0,50. Voilà. On va demander mur de 0,20, on va dessiner sur le coin C pour changer le point 1 mètre. Voilà, comme ça. Et ajuster l'autre. Elle dit pour supprimer, on va sélectionner, on va faire. Voilà. Sélectionner, contrôle pour détailler. Voilà. Et voilà. Là, on va sélectionner Shift pour faire, on appelle l'intersection. Voilà. Et pour ajouter la dalle ou agrandir la dalle, on va faire plus, on va ajouter le morceau. À premier étage. Oh, c'est le monde. Les 20, on va cliquer sur le coin, on va faire supprimer. Sélectionner le You are coin, currently the supprimer. only Pour person in laisser this là, la cour, il n'y conference. a pas la cour. Ça, c'est vue sur la cour. Quand on parle là, la cour. On va afficher le 3D, voilà. Ah ouais, c'est bon. Ah. Échappe. Sélectionner tout encore. Contrôle C. Deuxième étage. Contrôle V. Emplacement original. Voilà, emplacement original. Coller. Voilà. On va afficher le 3D. Hi. Encore sur le terrasse. Aïe, terrasse. Contrôle V. Emplacement original. Donc on va sélectionner les fenêtres. Contrôle A. Supprimer. Sélectionner les portes. Contrôle A. Sauf l'entrée ou l'accès de l'escalier. Hada. Supprimer. Les murs. Les cotations. Cliquez sur cotation. Contrôle A. Supprimer. Texte. Contrôle A. Supprimer. Et le reste, bien sûr, on va supprimer. Bien sûr, comme ça, on va supprimer les murs. Le reste. Voilà, la cuisine aussi. Donc, on va sélectionner les murs. On va demander diviser. Pourquoi on va faire diviser? Parce que la hauteur, ce n'est pas la même. Par contre, la hauteur. On va diviser. Diviser aussi. Voilà. Donc, on va sélectionner maintenant les murs. Tous les murs, donc à moi. Sauf Hada, Ohada, Ohada, Ohada. Ça, on appelle mur d'acrotère. La hauteur, c'est 1,20 m. Et les autres, on dit au fait jusqu'à 40 ou la 2,50. 2,50 par exemple. 2,50. On ressemble nous. 2,50. On va voir le 3D. Ah, c'est bon. On a le droit d'ajuster au contrôle pour ajuster. Voilà, comme ça. Tu sais, ça, on appelle mur d'acrotère. Ça marche? C'est bon? À la porte de la. Donc, c'est combien la hauteur de la mur? On a fait combien? 2,50. Brian Diro, une petite dalle.
15 ou le 10 en haut de la mur. Donc c'est combien la hauteur? 2,50 plus 15. Il y a 2,60. Donc on va demander une dalle avec 0,10 pour l'épaisseur de là. Où le niveau c'est combien on a dit? C'est 2,60. On va créer maintenant. Et là, on va voir en 3D. Voilà. 2,50 ou 10 ديالها حيت لا دال كتحسب من الفوق صافي ها هو اون فا دوموندي اون مور شحال قلنا لو نيفو دابا 2,60 ها هو اون فا كري 2,60 اي لا هوتور نديرو فيه 0,20 فوالا افيك لا كوموند ريكتانجل فوالا اون فا كري واحد لو مور من هنايا سي بور شونجي لو بوان دو باز فوالا اون فا افيشي لو 3D نشوفو ولا فوق سطحها. C'est bon, fini, le plan du Yali, fini, en 3D, bien sûr. Pour éviter l'affichage de la dalle sur le 3D, on va sélectionner le mur et on va changer, on appelle le texture. Donc, on dirait par exemple, texture blanche. Maintenant, une peinture, voilà, on a même un dalle. Voilà, on va sélectionner maintenant les dalles, pour afficher le même peinture du Yali mur. Donc, on va afficher le peinture blanche, par exemple. Voilà, on va choisir peinture blanche. Ok. Voilà. La même chose pour Hadi. Et la même chose pour Hadi. Shift pour sélectionner la deuxième. On va désactiver ça et après on va choisir même peinture de mur. Voilà. Normalement, on va choisir le même canal pour la fenêtre de l'escalier. Voilà. Facilement. Qu'on facilement. F2, on va afficher maintenant la façade. Donc la façade, oui la façade. Voilà, la façade, on va faire comme ça, à la façade. Afficher le plan de la face, Yali. Yali la façade. Voilà. C'est pas la peine pour dessiner. La coupe, par exemple, on va créer la coupe ménénaire. Par exemple, voilà. Afficher la coupe. Voilà, à la coupe. À la coupe. A le vue sur la cour, a les portes, les canines, a la fenêtre via l'escalier, facilement. A la cage de l'escalier, via la terrasse. Ça marche? C'est très simple. Yani, ana les rends sahab ou ana les rends sahab. C'est clair? Donc, on va enregistrer ça pour partager sur. Par exemple, on va commencer les objets. Donc, F2, par exemple, on va demander rez-de-chaussée. Rapidement, objet. Même si vous voulez, par exemple, Hawa. Donc, on va afficher le lait sur la chambre, par exemple. Il y a la possibilité pour roter maintenant. Il y a la possibilité pour choisir, on appelle le point de base. OK. On dit, par exemple, le coin. Voilà. On dit la cour, on dit la cuisine aussi. Douche, par exemple. Objet, on va choisir, on appelle le sanitaire. Voilà, la sache, lavabo, par exemple. Pour douche, par exemple. Voilà, on va roter rapidement. Maintenant, on va choisir le coin. Abjani, double clic, on va choisir, on appelle le binoir, finalement le binoir, voilà. Donc, on va choisir, voilà, roter. Pour regarder Ginef le coin, voilà, on va roter. Ok, on va choisir cette point. Ça marche. Abjani, la sache aussi là, à la fin. Donc, après, on va sélectionner, par exemple, on va commencer la sache, il y a la manor Fouchelia. Toilette, voilà, toilette. Allez, toilette. On rotait. Ok. Cliquez sur le coin. Là. Voilà. Sélectionnez là. Sinon, on va choisir autre lavabo. Icône lavabo serait où? Voilà. Un petit lavabo. Serait où avec la cuir. Les robinets. Ok. Toilette. Échappe. Sélectionnez. Rotation. Déplacer un peu, c'est pas la peine pour changer les dimensions de la lavabo. On va changer, le lavabo. Ok, voilà, ça c'est bon. Sinon, on va glisser ça un peu, déplacer un peu. Voilà, échappe. Donc maintenant, on va cliquer sur les objets, CTRL A. CTRL C sur le même place. Deuxième étage ou le premier étage. CTRL V
en placement original. Collé, et je lui ai fait la somme. Deuxième étage, CTRL V, en placement original. Voilà. Ça marche. Nous avons par exemple une coupe. Par exemple, nous avons la coupe de l'ENA. Nous avons les objets pour voir les objets sur la coupe. Les objets, on va créer sur la coupe. On va arriver à l'ENA. Créer déjà sur la coupe. Voilà. Ah. C'est bon, à lavabo, à le brassard de baignoire, à les déjà coupé sur les étages, à rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. C'est clair? C'est bon? Allez, bon courage. Donc le niveau et après on va...